Bonjour Laurence. On se connaît ? Non, on se connaît pas. Enfin, moi, je vous connais déjà mieux qu'il y a 5 minutes. Je suis content de vous voir en volume. Hein. Non, parce qu'en 2 dimensions, on se fait une fausse idée des gens. Et... Qu'est-ce que vous voulez ? Et puis la voix. Ah, la voix, c'est très important. Hein. Tout de suite, on se rend mieux compte. Ah. Enfin, je trouve que vous ressemblez plus à la photo du permis de conduire qu'à celle de la carte d'identité. Enfin, de toute façon, vous pourrez bientôt faire le changement. Elle arrive à expiration au mois de février. Mon sac, vous l'avez retrouvé. Oh, vraiment, c'est formidable. J'en profiterai pour faire le changement d'adresse, hein, parce qu'il y a encore l'ancienne rue Gerbier. Vous êtes allé là-bas ? Non. Je me suis fié à l'adresse du courrier, rue François Chevreuil. Ah oui, alors pour le porte-monnaie... Bon, ça, c'est pas grave, il n'y avait pas grand-chose. Ah bon. Je ne sais pas comment vous remercier. Je l'avais laissé dans ma voiture, j'avais même pas fermé à clé. Oui, mais ça, c'est pas prudent. Hein. Bon, enfin, ils ont laissé les papiers, c'est l'essentiel. Et puis les lettres. Eh, c'est l'essentiel aussi, les lettres. On ne sait jamais ce qu'il peut y avoir dedans. Hein. Des complots, des scandales, des révélations... Ah oui, mes lettres. Ouais. Bon, en tout cas, c'est gentil de votre part. Oh, bah c'est tout naturel. Une fois, un homme a retrouvé Plumeau. Plumeau, c'est mon chat. Alors, il me l'a ramené. J'étais tellement content que je lui ai offert une bière. Ah, mais j'ai pas de bière. Si vous voulez du jus d'orange. Non, merci. J'ai pas soif. Par contre, j'ai faim. Puis je vois que vous avez du pain d'épices. J'adore ça, ça me rappelle mon enfance. Eh bien, prenez-en une tranche. Ah, bah volontiers. Vous voulez ? Faites du vélo sur place. Ah, j'ai toujours trouvé ça curieux, ce genre d'engin. Je peux essayer? Bon, si vous voulez, mais rapidement, parce que après j'ai un truc que je dois me préparer et je suis en retard. Ah, c'était pas prévu, ça. Comment ça? C'était pas marqué sur votre agenda. Ça, c'est pour augmenter la côte. Attendez, vous avez regardé dans mon agenda? Ah, c'est autre chose, hein. Et c'est quand même marrant, tous ces gens qui se déplacent en voiture, en tapis roulant ou en ascenseur pour pas se fatiguer. Et chez eux, ils font du vélo pour aller nulle part. Vous trouvez pas ça absurde? Si vous avez terminé. Excusez-moi. Je suis parfois là sans gêne. C'est rien. Bon, bah, je vais vous laisser. Si vous devez voir Gilles. Gilles? Oui, Gilles. Ah, moins que ce soit Thierry. Mais parce que Gilles, vous l'avez vu hier, tandis que Thierry, c'était la semaine dernière, oui. C'est bon. Enfin, c'est incroyable. Je veux dire, c'est bien de me ramener mon sac, mais vous n'avez pas à le lire. À lire votre sac? C'est vrai, vous avez raison. Mais que voulez-vous, c'était plus fort que moi. Vous vous rendez compte, lire le sac d'une inconnue, quel mystère. Découvrir un être à travers ses objets personnels, son écriture, son parfum, recomposer sa vie, découvrir son cœur. Enfin, c'est honteux. C'est honteux. Je suis d'accord avec vous, c'est honteux. D'ailleurs, j'ai honte. Mais maintenant, j'ai tellement de choses sur vous que j'en sais même plus que Gilles. Vous avez lu mes lettres ? La lettre de Gilles et les 2 lettres de Thierry. J'étais très déçu, hein, d'ailleurs, par le style de Thierry. Non, on sent qu'il fait des efforts, mais le fond est rustique. Puis les fautes. Non, Gilles est nettement plus cultivé. Hein. Ça se sent. C'est normal, il est journaliste. Vous êtes journaliste aussi, vous, je crois. Je crois que le mieux, c'est que vous partiez tout de suite. Sinon, je vais vous dire ce que je pense de vous. C'est bon. Je m'en vais. Pas tout de même. Ça m'étonne quand même, cette double vie. Comment vous faites? Ils sont au courant de rien, ni l'un ni l'autre? Enfin, c'est vrai qu'aucun des deux n'habite chez vous, mais... Il en manque une. Comment? Il manque une lettre de Thierry. Ah, ça, c'est très bizarre. C'est bizarre parce que je les ai relues en montant l'escalier, elles y étaient toutes. J'ai dû la faire tomber, bougez pas. Je vais aller voir. C'est ça que vous cherchez? Gilles. Thierry, je suppose? Je vais t'expliquer. Ne t'inquiète pas, j'ai compris. Je suis juste venu récupérer mes affaires. Enfin, écoute. Non, Laurence, c'est très bien comme ça. Tu fais ce que tu veux. Tu es libre. Tu es une femme libre et moderne. Tu me l'as assez répété. J'aurais dû comprendre ce que ça voulait dire. Moi, je suis désolé, je suis vieux jeu. Je n'aime pas être cocu. Ça, c'est à moi. Bon, enfin, écoute, c'est trop bête. Tu vis ta vie. Et moi, je reprends la mienne. C'est tout. Mais je suis beau joueur. Je saurais disparaître sans faire de vagues. Écoute, c'est pas possible. Tout ce que tu as pu raconter. Je ne pensais pas que tu pouvais mentir comme ça. Je mentais pas. Et ça fait longtemps que ça dure? 3 semaines environ. Écoute, c'est pas ce que tu crois. Quand je pense qu'on est parti en Grèce... C'est bien la Grèce. Ça m'apprendra à faire confiance. Chacun chez soi. On est indépendant, c'est super. Je t'aime. Si ça se trouve, il y en a eu d'autres? Il y en a d'autres? Non. Hé. Puisqu'elle vous dit qu'elle vous aime. Je ne suis pas ce genre-là, moi. Je ne partage pas.
On ne peut pas aimer plusieurs personnes. Mais je l'aime pas. Ah oui. Qu'est-ce que tu en penses? C'est bien possible. Tu l'as voulu? Tu l'as? Maintenant, tu en fais ce que tu veux. Moi, je tire ma révérence. Salut. Gilles! Non, attendez. Là, il est parti. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il avait pas l'air content. Hein. Mais tout ça, c'est de votre faute. Oh, écoutez, je suis vraiment navré. Je crois que je vais avoir un petit mouchoir quelque part. Foutez le camp. Foutez le camp. Ça vous suffit pas d'avoir tout démoli en 5 minutes. J'ai démoli peut-être, mais je porte pas toute la faute sur mes épaules. Hein. Et si vous aviez pas fréquenté Thierry, ça serait peut-être pas arrivé. Partez. Ok, je m'en vais. Vous avez raison, ça vaut mieux. Mais tout de même, Gilles est beaucoup moins bien que ce que je pensais. Hein. Non, physiquement, je le vois pas du tout avec vous. Et puis il est faux. Cet homme est faux. Je vais le tuer. Je vais le tuer. Non mais attendez, il se permet de vous reprocher de lui avoir menti. C'est un peu excessif, non? Enfin, moi je trouve. Puis il vous dit qu'on peut pas aimer plusieurs personnes à la fois. Et il fait quoi, lui? Vous voulez que je vous dise tout ça? À mon avis, ça l'arrange bien. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah, pour les vacances, il préférera Tulum avec elle que le Péloponnèse avec vous. Ah ouais, Tulum. Oui, Tulum, c'est au Mexique. C'est un site avec des pyramides aztèques. Ah bah maintenant, ils vont y aller, c'est sûr. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tout à l'heure, pour lire dans votre sac, je me suis mis à la terrasse du café en bas. Bah, ils étaient là, ils roucoulaient. Comme j'étais à côté, j'ai tout entendu, forcément. Mais enfin, qui ça, il? Mais lui et elle. Seulement lui, je savais pas que c'était lui. C'est quand il est entré que j'ai fait le rapprochement. Vous y savez? Et donc, il était en train d'expliquer à Gwenaëlle qu'il aurait du mal à Gwenaëlle, se libérer. Il l'a appelé Gwenaëlle? Oui, oui. Gwenaëlle. Elle a répondu. Gwenaëlle? C'est une amie à vous? Oh non, j'arrive pas à le croire. Mais c'est dégueulasse. Mais quelle ordure! Mais je suis conne! Ah, oh, mais qu'est-ce que je suis conne! Eh, calmez-vous! Ah oh non, ce que j'en ai marre! Mais ce que j'en ai marre! Mais... Ah ouais, maintenant je comprends ce qui s'est passé samedi! Non, c'était dimanche. Oh, il faudra toujours que je me fasse avoir, toujours! Mais qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai, hein? Je suis moche, c'est ça? Mais non. Je suis tarte, je suis débile, mais... j'ai de la cellulite. Mais non. Mais si j'en ai, alors c'est une raison? Certainement pas. Ah, oh, je suis trop vieille, c'est ça? Moi, je te voyais, mais non. Ah ça. Ouais, c'est ça, j'ai rien d'intéressant, c'est tout, c'est normal. Elle est... Évidemment, elle est vachement bien, moi. C'est vrai qu'elle est assez mignonne, hein? Oh non. Alors, écoutez, voyons. J'en peux plus. Y a jamais rien qui tient, jamais. Je croyais qu'avec lui, et puis voilà. Je suis toute seule encore. Mais il y a Thierry. Ah, mais Thierry, je m'en fous, il compte pas. C'est lui qui me court après, alors tu penses? Qu'est-ce que je peux faire? Catherine, il faut que je l'appelle. Attendez. C'est qui, Catherine? C'est ma copine. Elle va me dire ce qu'il faut que je fasse. C'est une bonne idée. Oh, elle est pas là, il y a le répondeur. Catherine, est-ce que tu peux me rappeler? Parce que ça va vraiment pas du tout. Oh, je voudrais mourir. Mais écoutez, Laurence, calmez-vous, enfin. Mais il le mérite pas, ce Gilles. Quand on voit le cynisme dont il est capable, vraiment, il reste qu'une chose à faire, hein. Le traiter avec mépris, voilà. Oh, bah ouais, c'est facile à dire. Je sais pas, moi, imaginez-le dans les bras de Gwenaëlle en train de... Ah non, c'est encore pire. Non. Mais ce type-là, c'est un traître, un vaurien. Il a abusé de votre naïveté. C'est un traître, quoi. Répétez après moi, traître, vaurien. Traître, vaurien. Non, plus fort, traître, vaurien. Traître, vaurien. Ça va mieux? Non, ça va pas du tout. Il faut que je prenne mes calmants. Ah ouais, ils sont là. Et c'est quoi ce que vous avez pris, là? C'est des... Somnifères? Ouais. Vous avez pris beaucoup? 3. Je vais mourir. Non, vous allez pas mourir. Vous allez bien dormir. C'est peut-être pas plus mal, remarque. Hein. Pourquoi il m'a fait ça? Mais pourquoi il m'a fait ça? Écoutez, vous savez ce que je vais faire? Je vais vous faire couler un bon bain chaud, ça va vous faire du bien. Hein? Un bon bain chaud. Un bon bain chaud. Allô, oui. Ah, Catherine. Ah oui, bonsoir, Catherine. Oui, Laurence m'a parlé de vous. Vous allez bien? Non, non, elle dort actuellement.
Oui, je sais, oui, j'étais là quand elle vous a appelé. Non, mais ça va mieux, là, elle récupère. Mm-hmm. Bah, c'est-à-dire qu'elle a été très éprouvée par l'attitude de Gilles. Bah oui, il est venu brusquement chercher ses affaires et puis il a rompu. Ouais, comme ça, il a rompu. Oh, ça m'étonnerait. Oh, non, non, il était vachement monté contre elle. Bah, c'est-à-dire qu'il a trouvé une lettre et c'est comme ça qu'il a compris qu'elle couchait avec Thierry. Ouais, Thierry Lévesque. Vous saviez pas? Ah, Thierry, c'est votre copain. Hein? Allô? Allô? C'est rien, hein. Pub, pub, et une facture téléphone. Ah bah ça vous fait moins cher que la dernière fois. Vous êtes encore là? Bah oui. Figurez-vous, vous êtes endormi dans votre bain hier soir. Puis j'ai pas réussi à vous réveiller. Alors ça m'a un petit peu inquiété. Alors je vous ai couché. Puis je suis resté pour voir si tout allait bien. J'ai fait du café. Vous m'avez quoi? Quoi? Quoi, je vous ai quoi? Quoi? Vous m'avez couché? Bah oui. Pour dormir, c'est encore la meilleure position, non? Ah oui, alors, j'ai pas trouvé de chemise de nuit, alors je me suis dit que, bah, vous dormiez un peu à même le drap. Oh, rassurez-vous, vous n'êtes pas la première Ève qui m'ait été donnée de voir. Et alors, en ce qui concerne la cellulite, enfin, personnellement, je trouve que c'est à peine visible. Qu'est-ce que vous vouliez que je fasse? Je pouvais quand même pas vous laisser dans votre bain. Vous auriez noyé. Eh, j'ai fait du café. Préférez le thé, peut-être? Cherchez quelque chose? Où? Qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que vous avez dormi? Ben dans le lit. Vouliez-vous que je dorme? Vous avez parlé pendant votre sommeil, c'était assez marrant. Vous avez dit des trucs, je comprenais pas grand-chose, mais c'était assez drôle. Oui, oh, si c'est ce qui vous tracasse, je vous le dis tout de suite, hein, on a fait que dormir. Ah, mais alors ça... Mais alors ça... Ah, mais c'est vraiment complètement dingue. Ouais. C'est dingue. Ah non, mais j'ai déjà vu des mecs gonflés, mais là, c'est hors concours. Je sais même pas comment vous vous appelez. C'est insensé, quoi. Bah, la mode humeur revient. C'est bon signe. Mais je rêve. Au moins, vous pensez plus à Gilles. Gilles? Oh, Gilles. Oh, excusez-moi, j'aurais peut-être pas dû vous en reparler. Mais, hé! Qu'est-ce que je vais devenir? Je sais pas, vous allez l'oublier. Pourquoi vous iriez pas passer quelques jours à Coutainville, chez Didier et Jaco? Si vous voulez, je vous accompagne. Il reviendra pas, c'est fini. Hein. Mais il vaut mieux pas qu'il revienne. De toute façon, vous n'auriez plus confiance en lui. Plus en confiance. Non, faut vous dire qu'il vous aimait pas vraiment. Et puis vous non plus, d'ailleurs. Petite tartine? Qu'est-ce que vous en savez? Bah, sinon, vous seriez pas allé voir ailleurs. Oh, mais non, Thierry, c'était juste comme ça. Mais pourquoi, alors? Bah, je sais pas. Peut-être pour me prouver que je suis toujours libre. Toujours désirable. C'est assez constant chez vous, ce besoin de séduire, cette incertitude. Ouais, c'est vrai. Si je sens pas que je plais, j'ai l'impression de... d'être plus rien, de... Dites-moi, en prenant du recul, vous n'avez pas l'impression que ça remonte à votre enfance? Bah si, évidemment. C'est avec ma sœur, il y avait une espèce de rivalité. Ouais, pour séduire mon père, sûrement, ça doit être ça. Mais dites donc, vous vous prenez pour mon psy ou quoi? Pour Monsieur Mosler? Pas du tout. Mais attendez, comment vous savez qu'il s'appelle Mosler? Vous avez tout fouillé cette nuit, c'est ça? Ben oui. Ben, je me suis documenté, c'est normal, je m'intéresse. Eh, je suis même tombé sur votre journal. C'est vachement bizarre de tenir un journal à votre âge. C'est parce que vous êtes journaliste? Je vais vous casser la figure. Non. Ah oui, comment ça, non? Ben, d'abord parce que vous êtes toute nue. Et ensuite, parce que je vous amuse. Ah oui, vous m'amusez. Vous avez toujours eu un fait pour les hommes qui sortent de l'ordinaire. Regardez, par exemple, si on prend le cas de Charlie en 89, ou même le cas de Simon en 91. J'ai vu une photo, je lui ressemble beaucoup. D'ailleurs, je suis sûr que vous me trouvez beau. Partez d'ici immédiatement. Bah, le café? Sortez de mon existence, partez, allez-vous-en, tirez-vous, foutez le camp! Oh là, vous êtes énervé? Non, je vois bien que vous êtes énervé. Alors, je vais aller faire un petit tour et puis je repasserai tout à l'heure. Ah non, vous repassez pas! Mais vous avez été très choqué par la séparation de Gilles. Ça ne prend pas. Je vous ordonne de disparaître et de ne plus jamais revenir. Je ne veux plus jamais vous voir, c'est clair?
Ah, il y a le téléphone. Laissez ce téléphone. Allô? Ah, bonjour, mamie. Comment ça va, cette jambe? Ah oui, non, parce que... C'est ce téléphone. Allô, mamie? Oui. Oui, c'est moi, oui. Oh, mais il y a tout qui sonne en même temps. Non, mais bougez pas, j'y vais. Je vous interdis. Laissez cette porte. Oui, écoute, voilà, mamie, voilà. Je te rappelle tout à l'heure, parce que là, vraiment, c'est pas possible. Thierry? Thierry? C'est vrai qu'il est beau, ce con. Bonjour, Gérald. On m'a cassé la figure. C'était Thierry. Vous aviez raison, hein. Il a un fond... comment déjà? Rustique. Ouais, c'est ça, rustique. Mais... Bah oui, je vous ai couché. C'est encore la meilleure position pour dormir. Oh, ben vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas le premier Adam qu'il m'ait été donné de voir. À ce propos, vous avez des vergetures sur la cuisse droite. Où sont mes vêtements? Mais je les ai portés au pressing. Ils seront prêts demain après-midi. Ça sera plus agréable de retrouver des vêtements propres, non? Mais en attendant, si vous voulez, je peux vous passer une robe. Pain d'épices. Demain après-midi? Ne vous inquiétez pas. Vous n'avez aucun rendez-vous d'ici là. J'ai vérifié. Ah si. Il y avait bien Marie-Sophie ce soir. Mais c'est bon, j'ai décommandé. Vous avez quoi? Décommandé? Bah, je lui ai téléphoné pour lui dire que vous séjourniez dans mon lit. C'est normal, vous avez reçu un choc, vous reposez. Qu'est-ce qu'elle a dit? Marie-Sophie. Oui? Je ne vous cacherai pas qu'au début, elle était un petit peu stupéfaite. Et je dirais même assez chagrine. Mais ça lui a passé, hein? Ouais, finalement, elle s'est assez vite résignée à ne plus vous voir. Si vous voulez mon avis, elle ne vous aimait pas vraiment. Et vous non plus, d'ailleurs. Ah oui, je vois que je vous amuse. Bravo. Alors comme ça, vous importez des semelles de chaussures? Oh, c'est passionnant. J'ai horreur des femmes indiscrètes. Ah, c'est pas de l'indiscrétion. Je m'intéresse. Ah, vous intéressez à moi? Vous me foutez à la porte tout à l'heure. Ben oui, mais j'ai changé d'avis. Je vous ai mis dans mon lit. Tant pis pour vous. Je vais vous faire regretter d'avoir trouvé mon sac. Je l'ai pas trouvé. C'est moi qui l'ai volé.